Good morning, à l'Aïdan et les Sussurs, aujourd'hui le Nishmat, Machlouf Micha ben Masoudan Ahmad Yosef ben Nahum, Avram Chayin Urbain ben Fortuné Mazal Dov ben Yehudit et Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Tamid, Perek He, Mishnah Vav. Higi'u ben Aulam ve la Mizbeach, Natal Echad et Amagrefa, Vezorka ben Aulam ve la Mizbeach. En Adam Shomea Kol Chavero Birushalayim Mikol Amagrefa, Ushlosha Dvarim Haita Meshamechet. כהן ששומע את קולה, יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות, והוא רץ ובא. ובן לוי שהוא שומע את קולה, יודע שאחיו הלוויים נכנסים לדבר בשיר, והוא רץ ובא. וראש המעמד היה מעמיד את הטמאים בשער המזרח. Petit rappel maintenant, on continue avec l'actoret. Allez, on fait un petit comeback un petit peu en arrière, histoire de bien nous rappeler. Depuis très tôt, depuis l'aurore, on a commencé à organiser le Mizbeach. Après, on a tiré au sort celui qui allait faire le Korban, Shrita du Korban Tamid, et avec aussi les faire monter les membres sur le Kevesh, sur la moitié du Kevesh, avec aussi celui qui allait vider le Mizbeach Hazav avec la Menorah. Après, dans le début de notre Perek, ils ont fini de faire leur Avodot, on a maintenant tous les membres qui sont à hauteur du milieu du Kevesh, les membres de la Ola qui sont là, et après ils sont tous partis dans la Lishkat Hagazit pour faire lire le Kirat Shema et faire quelques brachot, et puis ensuite on a tiré au sort celui qui allait faire la Ktoret. Depuis maintenant 3-4 Mishnayot, 5 Mishnayot, je sais pas, on a commencé à voir comment est-ce qu'on faisait, comment est-ce qu'on apportait la Ktoret. On avait sorti un ustensile avec dedans la Ktoret. Il y avait eu un autre Kohen qui avait été désigné pour... par le Kohen de la Ktoret, qui avait été désigné pour monter sur le Mizbeach pour prendre des cendres. Des cendres, il les prenait avec une pelle en argent, qu'il transvasait dans une pelle en or. Et puis, maintenant, ils commençaient tous les deux à se diriger pour entrer dans le Oulam, puis ensuite dans le Echal. Le Oulam, c'est le... Comment dire, c'est le... Je sais pas comment dire, la pièce... La première pièce pour le parvis, je sais pas comment... D'accord. Et le Echal, c'est là où se trouvait le Mizbeach Hazav. Maintenant, donc ils sont descendus du Kevesh, et maintenant ils vont commencer à se diriger vers le Echal. Il y avait là-bas des escaliers. Ce que vous voyez ici, c'est des escaliers. Le Beth Amikdash, c'était pas une surface plane. C'était construit dans la montagne, et petit à petit, on montait, et on montait, et on montait. On verra tout ça dans Maseret Midot Bezrat Hashem. Donc... Lorsqu'ils arrivent entre le Oulam et le Mizbeach, la Mishnah me dit « Igiou ben Aoulam ve la Mizbeach ». Lorsqu'ils arrivaient entre le Oulam et la Mizbeach, entre le Oulam qui est là et le Mizbeach, dès qu'ils arrivaient dans cet espace-là, eh bien, « Natal Echad et Amagrefa ve Zorka ben Aoulam ve la Mizbeach ». Il y avait quelqu'un qui prenait la Magrefa, un mot qui veut tout et rien dire, comme on va le dire tout de suite, et il l'a jeté par terre entre le Oulam et le Mizbeach. Et ça faisait un super gros bruit. Et c'était le signal que on était en train de faire quelque chose, une étape très importante, comme ce que la Mishnah va nous l'expliquer. D'abord, je m'arrête pour expliquer c'est quoi la Magrefa. Littéralement, la Magrefa, c'est une sorte de... Le traduire, l'igrof, c'est une pelle qui ramasse quelque chose. Ouais, en hébreu moderne, on dit... On dit qu'on est goref de l'eau. Lorsqu'on a de l'eau renversée par terre, on prend le goumi là pour tirer l'eau. Mais on sait pas qu'on est goref autant. Maintenant, la magrefa, on a déjà vu ce mot sous plusieurs aspects. Il y avait un ustensile, un instrument de musique qui s'appelait la magrefa. Parce qu'en fait, il avait une forme, comme ça c'est expliqué, c'était apparemment un instrument avant, qui avait une forme un peu de... où il y avait plusieurs pics qui sortaient, je ne sais pas à quoi ça pouvait ressembler. Là, il ne s'agit pas de hard rock où ils vont se mettre à casser les guitares par terre, c'est pas du tout le sujet. C'est une autre magrefa, qui est un ustensile qui faisait un bruit énorme lorsqu'on le jetait par terre. Un bruit de fou. Comme ce que la Mishnah nous le détaille tout de suite. En Adam Shomea Kol Chavero Birushalayim Mikol Magrefa. Dans tout Yerushalayim, lorsqu'il y avait deux personnes qui parlaient, si toutefois il y avait la magrefa qu'on a jetée par terre à ce moment-là, on réussissait pas à s'entendre dans tout Yerushalayim à cause du son qui sortait de la magrefa lorsqu'on l'a jeté par terre. Idem encore, ou shlosha dvarim haita meshameshet, et pourquoi donc, finalement, la Mishnah m'enseignait, tu sais, lorsque les Kohanim commençaient à avancer pour aller
faire la Ktoret, eh bien, on faisait en sorte de faire un très gros bruit à ce moment-là. Comme ça, tout le monde savait qu'on allait faire la Ktoret dans quelques secondes et ensuite continuer arriver à la fin du Tamid. Comme ce que la Mishnah mentionne, c'était le signal. Pourquoi? Parce que, ou shlosha dvarim haitam shamshet, le trois choses, cette magrefa servait, c'est-à-dire le fait de la jeter par terre pour faire ce bruit, ça donnait le signal pour trois choses. Kohen sheshama sheshomet kola, s'il y avait un Kohen qui était à l'extérieur du Beth Amikdash, qui n'était pas levé ce matin pour être tiré au sort avec tout le monde, eh bien, il entend son son qui est dehors. Alors, yodea shechav kohanim nechassin nechtechavot, il sait que les Kohanim qui sont à l'intérieur, dans quelques minutes, vont aller se prosterner. Comme ce qu'on verra dans le Mishnah, dans le Perek Shasra, dans le Perek Zayin, on verra que les Kohanim, à la fin de la Voda, ils faisaient la Nessiat Kapaim, ils bénissaient le Ham Israël, et puis aussi se prosterner. Donc, le Kohen qui est dehors, il sait que, ah, on a jeté la Magrefa par terre, dans quelques minutes, il va falloir être prêt. Donc, tous les Kohanim, Vehuratz, ou va, et il courait, et il arrivait, bien sûr, il courait pas directement. Il courait d'abord au Mikvé, pour aller se tremper, et seulement après, il arrivait et rentrait dans la Hazara. Ça, c'était le signal pour les Kohanim. Il y avait aussi un signal pour le ou Ben Lévi, chez Shomea et Kola, et un Ben Lévi, un Lévi qui va entendre son son, eh bien, Yodéa, chez Chava Lévim, Nichnassim, Ledaber, Bachir. Il sait que ses frères, les Lévim, entrent pour parler dans la chanson. Si je traduis littéralement, en fait, ce n'est pas qu'ils rentraient pour commencer à chanter, ce n'est pas le moment de chanter, il faut encore attendre qu'on finisse complètement la Avoda. Pour rappel, les membres sont restés pour le moment sur le Kevesh, à la mi-hauteur. On a désigné qui allait prendre ces membres. Ils ne sont pas encore montés pour continuer la Avoda. Ils vont la continuer dans le prochain Pérec. Ou un peu plus, je ne sais plus exactement. En tout cas, ils vont continuer plus tard. Pour le moment, les membres, ils sont là. Les Kohanim vont les Lévim vont juste aller sur l'estrade pour se préparer à chanter le Shir Shel Et qui nous manque dans l'histoire? On a dit qu'il y avait ça servait à trois choses, on en a dit deux, on a dit les Kohanim qui commençaient à se préparer à se prosterner, les Lévim qui se préparaient à chanter, et donc ce Lévi aussi qui n'était pas encore arrivé, qui était un petit peu en retard, lui aussi, Veoratsuba, lui aussi, il va courir, il va venir, bien évidemment, en passant lui aussi au Mikvé, pour se tremper. Verosha Mahamad est le responsable sur le Mahamad, c'était une fonction, on va pas allonger dessus. On en parle encore dans ma Sekhet Ta'anit, c'est quoi les Mahamadot? Il y avait concrètement il y avait un autre truc à gérer qui était en parallèle avec les Korbanot, qui s'appelait le Rosh HaMahamad. Eh bien, il fallait Aya Mahamid Atatmim Beshar HaMizrach. Littéralement, c'est une Mishnah assez floue qui me dit, eh bien, il prenait dans le Shar HaMizrach, il me semble qu'on parle, cette partie du Shar HaMizrach de la Hazara. Donc, si on prend le Shar HaMizrach de la Hazara, en fait, c'est celui qui est là. Enfin, il faut retourner là. Il faut retourner. Ouais. Ça, ce que vous voyez ici dans le long, il est pris ici dans le large. Et on a le Shar HaMizrach qui est là. En fait, c'est l'entrée qui était à l'est. Il allait là-bas à l'est. Et à l'extérieur, donc, à l'extérieur du Beth Amikdash, apparemment. Comme ce qu'on va voir, ça dépendra des interprétations, en fait. Donc, le Rosh HaMahamad, il partait sur le Shar HaMizrach. Sur le portail de l'Est, et je vérifie juste si c'était du Beth Amikdash ou du Harabait. Je ne sais pas ce petit détail. C'est pas écrit. Il est rentré à fond dans les. C'est pas écrit. Je ne sais pas exactement sur quel portail, sur quelle porte du Beth Amikdash il était. Est-ce que c'est le Beth Amikdash proprement dit ou c'est le Harabait qui est encore plus à l'extérieur? En tout cas, il partait là-bas. Il disposer en ligne tous les gens impurs sur donc la porte de l'Est. Voilà ce qui est écrit. C'est quoi ces gens impurs? De quoi on parle exactement? C'est flou. Il y a trois interprétations qui sont proposées dans le Rambam, dans le Bar Tanoura. Deux qui proviennent de la Gemara et un qui provient du Rambam. Le plus facile, d'abord, je commence avec le Rambam, c'est qu'en réalité, vous savez qu'il y avait des gens qui étaient impurs, qui devaient finir leur purification en apportant des korbanot, en l'occurrence le Metzora, le Zav. Ils doivent apporter des korbanot pour finir leur purification. Eux, ils n'ont pas le droit d'entrer pour le moment, sauf dans certaines parties. Et donc, lui, s'occuper de les préparer pour pouvoir les faire entrer et apporter leur korbanot. Voilà l'interprétation du Rambam. Il y a une autre interprétation qui est, en fait, c'est la Gemara, qui nous parle de deux manières pour expliquer qu'on parle des Kohanim qui étaient impurs. Soit parce qu'ils avaient eu un épanchement nocturne, ou soit parce qu'ils ont eu une quelconque autre impureté, il fallait les mettre tous en ligne dehors. Pour quelle raison? Alors, deux raisons.
Soit, tout d'abord, puisque tous les Kohanim sont entrés à l'intérieur pour se prosterner, qu'est-ce que toi, le Kohen, tu fais dehors? Ça ne te concerne pas? Tu n'es pas concerné par la Avoda du Beth Amikdash? Ah, tu es impur? Alors il vaut mieux que tout le monde sache que tu es impur, comme ça on voit que tu es là. Comme ça, il n'y a pas de Kohen qui va fuir son devoir, qui va laisser les Kohanim faire la Avoda du Beth Amikdash, et lui, il va les faire vaquer à ses occupations. Pas du tout. Ils sont tous là, avec tous intérêt pour la Avoda qu'on fait à l'intérieur. Le pauvre, il n'a pas la chance de pouvoir entrer, au moins qu'on voit qu'il est dehors. C'est la première interprétation. Deuxième interprétation du Barthénora, plutôt. Première interprétation du Barthénora, là, elle est plus violente. C'est qu'en réalité, c'est le Cohen qui avait une impureté nocturne. Eh bien, on lui faisait l'achshum. On le mettait dehors, en ligne. Comme ça, tout le monde va voir qu'il a une impureté et que, comme ça, la prochaine fois, il fera plus attention à respecter ses pensées, à ne pas avoir d'impureté la nuit. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, Salam.